Je connais cette écriture. Bérengar. Ces papiers doivent être ici depuis des lustres. Tiens, toi. Bérengar forgeait une épée. Et pas n'importe quelle épée, si j'en crois ses notes. Thor Erne. Il mentionne Vesemir. Je devrais lui parler. Il pourra peut-être m'en dire plus. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai trouvé les notes de Bérengar. D'après ce que j'ai compris, il essayait de forger une épée. Thor Erne. Avec ton aide. Mon aide, c'est vite dit. Il n'arrivait pas à forger sa lame, mais il refusait de me laisser approcher de l'enclume. Il voulait tout faire par lui-même, comme d'habitude. Mais tout est parti à volo. Comment ça? Bérengar s'était mis en tête de tuer un Tchart qui s'était installé dans la vallée, près du fort. Va savoir pourquoi, il est parti avec tout son équipement sur le dos. J'imagine qu'il avait peur que je touche à l'épée pendant son absence. Quoi qu'il en soit, le Tchart était trop fort pour lui. Et il a dû battre en retraite, en abandonnant tout son barda au passage. Il est revenu rouge de sang et de honte. Sans dire un mot, il est reparti peu après. On ne l'a plus jamais revu. La suite de l'histoire, je la connais. Tu sais où se trouve l'antre du Tchart? J'étais sûr que tu voudrais finir le travail. Le plus simple, c'est de descendre la rivière le plus loin possible. Cela dit, méfie-toi. Malgré tous ses défauts, Bérengar était un sacré combattant. Si le Tchart est encore là, il risque de te donner du fil à retordre. La rivière disparaît ici. Ne doit plus être très loin. Et merde. C'est un sacré morceau. Pas étonnant qu'il ait fichu une raclée à Bérengar. Bon. Il faut encore que je trouve les affaires de Bérengar. Schéma. Forger Thor Erne ne sera pas simple. Et le jeu en vaut la chandelle. Ah, il était temps. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais ici, on fait pas attendre ses associés. Mes associés? Oh, pas la peine de jouer les conspirateurs, on n'a pas le temps. Vil, le Nilfgaardien, il a dit qu'il enverrait quelqu'un chercher la marchandise. Alors entre et tiens-toi à carreau. Très bien, j'arrive. Attention à ce que tu fais.
crois que je peux descendre et tester la marchandise. Trop tard. Un acheteur de mono. Putain, ça chlingue dans la canne. Ouais, c'est la mission du succès. Ça, c'était un rêve. Succès ou pas, on les fasse sortir de là avant que leur s'incruste. Ça ne t'appelle plus marchand. Quelle blague. Ils ont plein peau sur les joues. Il paraît que tu m'attendais. Comment va la marchandise ? On a dû les calmer un peu, mais ils vont bien. Ils sont solides sur les îles. Ils te serviront bien. Parfait. Ville n'aime pas qu'on se moque de lui. C'est bien Ville qui t'envoie, hein ? J'attendais quelqu'un de plus... Nilfgaardien. Tu attendais quoi ? Un grand soleil sur ma poitrine ? Ce serait assez Nilfgaardien pour toi ? D'accord, d'accord, t'énerve pas. La marchandise est prête. Je n'aime pas qu'on appelle des êtres humains marchandise. On s'en branle de ce que t'aimes. T'as l'argent ? Une erreur. J'ai déjà payé. Hein ? Oui, je m'en souviens maintenant. Il reste plus qu'à régler le problème du transport. Tu devrais peut-être amener ton navire dans la baie. Donne-moi juste la clé de la cellule. Ben quoi ? Tu vas les emmener à pied ? Tout seul ? Ceux qui ne peuvent pas marcher n'ont qu'à crever. Ville ne s'intéresse pas aux faibles. Ah, comme tu voudras. Mais faudra pas venir chialer s'ils se font la belle. Voilà, la crotte et celle de sanglier, c'est ce que je préfère. Ça... La bourse serait pas trop lourde, des fois ? Vous m'appartenez à présent. Le premier qui désobéit, je l'égorge comme un chien. C'est compris ? Suivez-moi. Vous êtes libre. Allez à l'ouest. Vous trouverez un village. Merci, sorceleur. Merci pour tout. Vous savez y faire en porte-à-porte. Pars, sorceleur. Si tu ne veux pas des bracelets en fer, toi aussi. Aidez-moi ! Ils veulent me brûler vif, mais je suis innocent ! Innocent ? Innocent ? Qui a concocté ces potions empoisonnées ? Qui a informé la loge des magiciennes par mégascope ? Et qui a troublé les esprits avec sa magie ? Hein ? Je connais tous tes crimes, Rémi. C'est de l'histoire ancienne, ça n'arrivera plus. Ça, oui, c'est sûr. Enchaînez-les, lui et sa connasse. Maman ! Responsabilité collective, c'est bien ça. Je n'aime pas beaucoup ce genre de justice. Mais ce ne sont pas mes affaires. En effet. Voyez-vous, les sorceleurs sont comme des chiens. Utiles, tant qu'ils obéissent. Mais quand ils commencent à mordre la main qui les nourrit, on leur brise le cou. En fait, je sens monter comme une furieuse envie de mordre. Aidez-moi ! Tuez-le ! Merci.
Sans vous, ils m'auraient tué. Quant à Louise et le petit, je préfère ne pas y penser. Allez voir Triss Merigold. Elle devrait pouvoir vous aider. J'espère. Tenez, prenez ça. Moi, je dois laisser la magie derrière moi, et ça pourrait vous servir. La prochaine fois que vous affronterez des chasseurs de sorcières, peut-être. Oui. Et à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Adieu. Fentel, c'est ça? L'ami de Triss qui ne voyait pas de raison valable de fuir Novigrad? Lui-même. Un peu plus roussi. Merci, sorceleur. Je reconnais que j'ai eu tort. Un bon conseil. Trouvez Triss. Le canard boiteux sera peut-être encore disposé à vous aider.